bonjour, je suis Aïssa, président de l'association Human Street by AF qui est basée à Argenteuil. Donc on est un collectif de 6 associations pour un projet d'entraide régionale pour les étudiants, pour venir en aide aux étudiants. Donc on est aujourd'hui samedi 6 mars et toutes les équipes, les 6 associations sont mobilisées. Elles vont toutes se présenter juste après. Donc mobilisées pour préparer un maximum de colis alimentaires, hygiène et ménagers qui seront distribués sur 3 points demain. Alors voilà, je me présente, je suis Farida Belmerabed de l'association Muslim Help à Nanterre et nous sommes ici aujourd'hui avec 5 autres associations pour préparer le maximum de colis alimentaires comme l'a expliqué mon collègue avant nous. Donc nous sommes 5 associations qui ne nous connaissons pas du tout, on s'est connus à travers les réseaux sur un projet commun. Et aujourd'hui on a décidé de faire le maximum de colis pour pouvoir toucher un maximum d'étudiants sur l'île de France. Et demain la distribution sera faite de 11h à 15h sur 3 points différents. Alors l'organisation pour aujourd'hui, ça va, on attend d'autres palettes. Bonjour, alors moi je suis Sonia, l'association des Lyonnes d'ici d'Afrique. On est situé à Champéry-Ligne en 78. Là on est un collectif d'associations de France. On s'est réunis autour d'un projet pour aider les étudiants. Mais c'est un projet, c'est plus qu'un projet, c'est un défi. Parce que je pense que c'est un défi qui nous parle à tous, on est tous en humanitaire. Et notre but c'était d'aider au mieux les étudiants en difficulté. Donc là, le but aujourd'hui, c'était de faire entre 800 et 1000 colis et de faire un bon panier garni aux étudiants qui leur pas, qui leur servirait sur une semaine, au moins sur une quinzaine de jours. Et dans les colis, on a essayé de mettre des choses variées, surtout des denrées non périssables, et aussi leur faire plaisir. On est vraiment, vraiment heureux et satisfaits. On espère vraiment, vraiment reproduire ce projet. Parce que ça nous parle vraiment aux tripes et on s'identifie à eux en fait. Du coup voilà, c'est un collectif de 6 associations. On a décidé d'unir nos forces pour pouvoir essayer de soulager la détresse, la précarité de certaines personnes du mieux qu'on peut. Avec à travers les différents dons de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui on est là, on est présents sur le terrain. Mais sans vous en fait on pourrait pas, sans toutes les personnes qui nous suivent, on ne pourrait pas mener toutes ces actions. Vraiment, c'est grâce à vous, ça, une grande chaîne de solidarité qui est créée. Et voilà, on invite.